Bonjour à tous les amis, c'est Mr. Smith, j'espère que vous êtes très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale et aujourd'hui je vais vous apprendre, enfin vous faire montrer comment avoir la danse Boogie Down gratuitement. Vous vous souvenez la danse Boogie Down, celle où il fallait faire un concours pour pouvoir avoir sa propre danse intégrée au jeu? Eh bien, elle est enfin désormais disponible. Et pour cela, il faut faire une petite manipulation. C'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui à le faire. Je vais vous le montrer. Déjà, juste avant de commencer, désolé s'il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment sur la chaîne. Mais je vais vous mettre un screen de ma connexion. Vous allez voir que c'est pas du tout fameux. Donc pour ceux qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne, c'est normal. Avec une connexion comme ça, tu ne peux rien faire. Sur ce, les amis, on va tout de suite commencer. Pour déjà commencer, c'est très simple, vous devez aller sur un ordinateur ou même sur un portable, ça fonctionne. Et vous devez aller sur le site Epic Games. Ensuite, vous allez dans connexion et là, vous allez vous connecter. Donc, si vous avez votre compte Epic Games, vous rentrez votre compte Epic Games. Si, comme moi, vous avez le compte PlayStation, vous vous connectez grâce à votre PlayStation. Enfin, votre compte PlayStation. Donc, moi, j'ai activé la vérification à deux étapes. Donc là, on va passer cette étape. Et une fois que vous l'avez activé, vous allez tout simplement aller dans compte. Et là vous voyez toutes vos informations, c'est normal. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller dans... Enfin déjà regardez bien si votre compte associé Epic Games c'est bien votre compte PlayStation. C'est vraiment très important, sinon vous ne l'aurez pas sur votre compte que vous voulez. Et ensuite vous allez aller dans mot de passe et sécurité. Et quand vous allez descendre tout en bas, vous allez avoir authentification à deux facteurs. Et là vous allez avoir le premier et le deuxième. Personnellement j'ai toujours pris le deuxième par email, on sait jamais. Donc moi ce que je vous conseille c'est aussi de faire par email. Et là normalement le compte que vous avez rentré sur Epic Games, donc votre email, il y aura donc un numéro qui vous sera envoyé. Donc moi c'est sur un compte Yopmail. Du coup je vais aller voir sur mon compte Yopmail. Donc là je me suis trompé d'email, du coup je vais re-rentrer la bonne email et je vais recevoir donc un code de la part d'Epic Games. Donc si vous êtes sur email comme moi, vous activez je ne suis pas un robot. Et là vous voyez tout simplement le code que vous allez rentrer. Et quand vous allez faire ça, voilà, donc l'authentification est terminée. Maintenant vous pouvez vous connecter à votre compte PlayStation. Et quand vous serez sur votre Fortnite, donc PS4 ou même que ça soit PC, parce que ça fonctionne aussi sur PC, sur Xbox One, ça marche sur toutes les consoles, ne vous en faites pas. Pour ceux qui disent est-ce que tu aurais une méthode sur Xbox ou bien sur PC, ça fonctionne sur toutes les consoles. Tant que vous avez activé l'authentification à deux facteurs sur votre compte Epic Games, Social Club, pourquoi est-ce que j'ai Social Club? Sur votre compte Epic Games, for, PlayStation, Xbox ou même PC, ça va fonctionner. Donc là regardez les amis, boum, vous avez la petite danse Boogie Down juste en vous connectant. Voilà, donc je tiens à dire ce compte là c'est mon compte secondaire, hein, niveau 1, j'ai rien du tout. Mais voilà les amis, au moins vous pouvez voir que on a bien débloqué le Boogie Down. Et en plus vous avez bien vu au tout début que c'est bien mon compte Mr. Smith OG, donc le compte que j'utilise pour faire les glitches GTA 5, pour faire les vidéos GTA 5. Voilà les amis, j'espère que je vous ai appris quelque chose, j'espère que vous aurez enfin réussi à avoir cette danse qui est plutôt pas mal, moi je la trouve vraiment stylée. Sur ce les amis, je vous laisse sur ces images, c'était Mr. Smith, ciao bye bye.